Ouais, cinquième, c'est vraiment cool. Je suis vraiment très contente, surtout que j'avais encore une deuxième chance parce que la demi-finale était vraiment pas bien. Et quand j'ai vu le chrono, je suis là, ok, non, c'est fini. Et je suis vraiment contente que j'ai encore eu une deuxième chance de faire mieux parce que, oui, ça aurait été dommage de rentrer comme ça, ou bon, finir le 100 mètres comme ça. Alors, je suis vraiment très contente. Ouais, c'est vrai que la demi-finale était bonne, mais très tendue. Aussi, on a eu un peu de chance, hein, parce que dans la première série, il y a eu une élimination, et donc c'était vraiment très très serré. Ensuite, la finale, on se prépare comment pour cette finale? On veut montrer qu'on est très très forte? J'ai l'impression que j'étais un peu plus relax. Je me suis beaucoup réjouie. J'étais juste surtout contente que j'ai encore une chance. Et je me suis réjouie de recourir encore une fois, de faire mieux, et puis de montrer que c'était pas tout. Alors j'étais vraiment hyper heureuse de courir, surtout c'était sympa d'être. C'est quand même une finale du championnat du monde dans un stade plein, et puis j'ai vraiment apprécié tout ce qu'on dit, j'étais mon dans le stade. L'ambiance est... à 50 mètres de l'arrivée, qu'est-ce que tu te dis? Tu penses à quoi? À 50 mètres? Honnêtement, je sais pas. J'étais sur couloir 1, j'arrive pas à dire. Je sais pas si peut-être sur les dernières 15 mètres, j'ai un peu crispé, j'ai essayé de casser trop tôt. Mais sinon, c'est difficile à dire maintenant comment était la course. J'ai pas bien vu. Le chrono, moi, j'étais sûr, quand je te vois passer, je veux dire record suisse, ouais. Clairement. Je suis sûr que c'est record suisse. Ouais. Tu t'es aussi dit ça, non? Surtout quand j'ai vu les autres, j'étais là « Ah !» Et après, quand j'ai vu les lanternes, j'étais « Bon !» Après, c'est quand même le deuxième meilleur chrono de ma carrière. Après, j'ai quand même espéré de courir en dessous de 90, mais un championnat, c'est la place qui compte. Et puis, je suis arrivée avec, je crois, le 9e meilleur temps et j'ai fait 5e. Alors, c'est vraiment la place qui compte en championnat. 6e aux Jeux Olympiques, 5e aux championnats du monde. Première étape, il reste encore deux étapes. Quelle va être la suite de Mojinga? Je te reviens demain, je recours demain. Non, je me réjouis de courir encore une fois, de voir ce qui est possible encore sur 200 mètres et puis de profiter de cette ambiance ici. Et puis, ouais, on verra. et de la forme qui est très très bonne à mon avis. Ouais, et la forme. Ouais, je suis curieuse de voir ce que je suis capable de faire. On se réjouit de voir ça. Bravo, bravo, bravo. L'étape 1 de Mojinga Mungi. Ouais.